Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu préparais de la sauce piquante. Devine qui a encore gagné le concours du plus gros mangeur de piment hier soir. Je vais te donner un indice. Ah, vous, chef? C'est moi! Tu vois, alors que je n'étais qu'un bébé chef, ma douce maman m'interdisait toute nourriture épicée. Ce qui fait que maintenant, j'en ai jamais assez. Vous voulez peut-être goûter à ma sauce? Je l'ai appelée... La sauce Mephisto! Qu'est-ce que tu as fait à ta voix? C'est juste un effet spécial sur le micro de karaoké. Rappelle-moi ce que je vous ai dit à propos du karaoké. On doit s'en servir seulement pour s'amuser et jamais pour faire peur. Alors, tu veux que je goûte à ta sauce piquante préparée avec une dinette, hein? J'espère qu'elle n'est pas trop forte pour moi. Waouh! Félicitations, Hugo. Ta sauce piquante est vraiment... Vraiment, vraiment, vraiment... Vraiment! Waouh! Je devrais participer au concours, moi aussi! Oh! J'aurais jamais dû y goûter! Maintenant, je sens la sauce descendre le long de mes... Fini de jouer, les enfants! Allez vous réfugier à l'étage! Waouh, trop cool! Je me demande jusqu'à quelle profondeur ça descend. J'ai une faim de tous les diables. Montre-moi un peu ces charbons. J'espère qu'ils sont meilleurs que ceux de la dernière fournée, si tu ne veux pas te faire cliquer. C'est fade! Fade comme le feu! Comment veux-tu que j'attise mes enfers si tu ne m'apportes que de la nourriture sans piquant ni saveur? Clic! Elle est d'enfer, cette odeur. Waoui! Ça brûle plus qu'un bâton de dynamite sur le gâteau d'anniversaire de mamie. Avec une sauce aussi piquante, je serai enfin assez puissant pour devenir le maître de l'univers. Il faut que je mette la main sur la recette et vite. Allô? Allô? J'ai besoin d'être remplacé de toute urgence. Oh, j'espère qu'ils ont compris, parce que j'ai besoin d'aller aux urgences au plus vite. Waouh, ça n'a pas traîné pour me trouver un remplaçant. Mais chef... Pas maintenant, Gontran. Les enfants, je vous laisse entre les mains de... Oh, Sacha Lumeau, seigneur des enfants. D'accord, je vous laisse entre les mains expertes de Sacha Lumeau, seigneur des enfants, pour que je puisse aller voir le gentil docteur au gentil hôpital afin de subir une gentille opération reconstructrice de... Oh, je sens qu'il va être énorme, celui-là. À plus tard. Vous connaissez le proverbe, si on ne supporte pas la chaleur, il faut sortir de la cuisine et descendre au plus profond des enfers. Pas vrai, les enfants? Vous êtes un public difficile. Vous êtes vraiment le nouveau maître d'école? Oui, pourquoi pas? Et pour commencer, on va faire un jeu qui s'appelle « À moi la sauce piquante !» Tout de suite. Ok, sauf que le chef l'a renversé en courant dans tous les sens et en mettant le feu partout. Du coup, j'en ai plus. Attends, tu parles pas sérieusement? Jamais personne n'a dit non à Sacha Lumeau! Comme si j'avais peur d'un type avec une chemise de plouc qui surgit du sol. Hé, ma chemise est fraîche! Si elle est si fraîche, pourquoi il y a des flammes dessus? Ouh, bien envoyé, et puis c'est pas faux! Tu aimes chambrer les gens, microbe. On va voir si tu aimes autant te faire cliquer. S'il vous plaît, je peux appuyer sur le bouton. Oh, et pourquoi ce serait Berthe qui appuierait sur le bouton? Personne n'appuie sur le bouton sauf moi. Il fait quoi ce bouton d'abord? Ouais. Ah, rassure-toi, tu vas très vite le savoir.
C'est quoi ce délire? C'est pas en m'emmenant dans l'endroit le plus nul de tout l'univers que vous aurez votre sauce. Un peu de patience. C'est quoi ce déguisement? Ha! Ça c'est beaucoup mieux. Mais vous croyez que regarder Joël vivre son pire cauchemar me fera craquer? Va falloir hausser votre niveau, Sacha. C'est une fille qui ne lâche jamais rien. Ah! Trop de câlins! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Et tu n'as encore rien vu. Des cookies! Quoi? Une usine à cookies? Sérieux? Pas de chance, vieux. Gontran, il adore les cookies. On va bien voir. Céleri brocoli? Y'a pas pire comme parfum. Quoi? Ils sont tous au céleri brocoli? Mais pourquoi? Il faut être un monstre pour faire un truc pareil. Carrément diabolique. Je te le fais pas dire. Vas-y, Gigi. Fais parler tes doigts de fée. Le ménage là-haut. Hein? Non! Non! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes doigts maintenant? Ah! Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de voir tes copains trembler de peur en vivant leur pire cauchemar? Attends un peu. Est-ce que tu trouves ça drôle? Non, non, c'est super efficace. Franchement, je sens que je vais craquer. Ça suffit! Donne-moi cette sauce piquante pour que j'attise les flammes de ma haine! Ainsi, je posséderai enfin le pouvoir de détruire l'univers! Attendez, vous avez bien dit que vous vouliez détruire l'univers? Ouais, c'est ça! Moi aussi! Vous êtes peut-être pas si nul que ça! Tu sais quoi, Sacha? On est fait pour s'entendre. Absolument. On est comme des âmes sœurs, quasiment. Enfin, comme des âmes damnées, je veux dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'était trop cool de faire tous ces trucs de dingue avec toi. Mais on devrait aller préparer cette sauce maintenant. Hein? On n'est pas bien là, comme ça? T'en fais pas, on aura tout le temps d'en profiter après avoir transformé le monde en gros tas de cendres, mon frère. La sauce est prête. Vas-y, mon frère, fais-la moi goûter. Wow! Je surfe sur une vague de lave. Hugo, Hugo, t'as vu ça? Hugo? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien, je surveillais ton appareil à clic. Ouais. Merci, mon frère, c'est vraiment sympa de ta part, mais tu peux me le rendre maintenant? Oh, ouais, d'accord. Ou alors? Je croyais qu'on était des âmes sœurs, mon frère. Désolé, vieux, mais le seul ici qui a le droit de faire vivre un cauchemar à mes copains, c'est moi. Pour avoir touché à mes cheveux, tu vas te faire zapper. Ben voyons, quand on se frotte à moi, on se fait brûler. Tant pis pour toi, tu l'as bien cherché. Oh, c'est gentil de nous avoir sortis de cette galère. Quoi? C'est pas volontaire, je vous aurais laissé si j'avais pu. Vous avez eu de la chance, c'est tout. C'est pas comme Sacha. S'il vous plaît, chère madame, mettez plus d'épices. Ou du sel, au moins. Du sel? Ah, c'est pour les jeunes et les chanteurs de jazz. Allez, ouvre la bouche. Voilà le petit avion. Non, c'est fade. C'est trop fade. Non, 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 non.